Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes je sais plus, 25 il me semble, mars. Et hier donc on a fait ensemble le tuto donc de cet album vintage avec les enveloppes et je vous disais que on allait continuer ensemble et que je faisais deux parties pour que les vidéos soient un peu moins longues. Voilà, donc là il nous manquait du coup les tags à faire à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour faire les tags, moi je vais prendre le papier craft comme ceci, mais le plus épais, comme ça au moins voilà, ça sera plus rigide pour faire les tags. Voilà, donc pour faire le tag, soit vous faites un tag qui dépasse de votre enveloppe. Voilà, après ça peut être un album, vu que c'est du vintage, même si ça dépasse un peu, ben ça passe pas dans mon enveloppe. Il faut recouper. Je voulais vous montrer en fait. Bon, je vais prendre ce petit bout. Voilà, vous pouvez faire un tag qui dépasse un petit peu. Voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa si ça dépasse. Vous voyez, ça fait un petit peu style vraiment vintage. Ou alors vous le rentrez directement à l'intérieur de votre pochette. Là, c'est vous qui voyez comment vous voulez procéder pour les tags. Si vous voulez que ça dépasse un petit peu ou pas. Voilà, là après, c'est vous qui voyez, comme d'habitude, hein. Donc, on va découper déjà. Je pense qu'une feuille, on en a assez. Alors, à mesure combien du coup ces enveloppes-là? 23. 23, 23. Pourquoi ça passe pas moi? Parce que ça fait 21. Ah mais non, c'est que c'était collé. D'accord. Donc, je vais garder tout simplement ma longueur de 21 ici. Et là, du coup, ça fait 16. Et ça fait quoi? Ça fait moins de 30. Ouais, je vais couper à peu près au milieu. Et ça va me faire deux tailles. Voilà, comme ceci. À peu près au milieu et ça me servira en fait de tag où vous pouvez mettre des photos etc. dessus. Voilà, donc moi ces tags on va les recouvrir de papier. Normalement j'ai encore des chutes où j'ai tout utilisé hier. Non, j'ai tout utilisé, hein. Écoutez, on va prendre. Je pense pas que j'ai assez avec ça, quoique vu que ça fait 15, ouais, peut-être. Alors je vais couper à 14 et demi. Je vais faire un petit matage en fait pour mes petits tags. Voilà. Ah non, mais j'aurai pas assez de toute façon, puisqu'il faut que je coupe à 20 et demi. Alors tac, voilà. Bon, ma lame ne veut plus. Elle veut plus du tout. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai de la poussière là-dessous. Pas nous enquiquiner maintenant sur ma sicot. Voilà, donc déjà j'ai mes deux feuilles. Ensuite on va en prendre une autre, hein, du coup. Et vu que l'album il est grand en fait, du coup il va nous falloir il nous faut pas mal de papier en fait. Donc voilà. Alors je vais couper, je pense, direct à 20 et demi. Ça sera plus simple que de faire des découpes et des découpes. 14,5 et 14,5. Voilà, comme ça au moins on est peinard. Allez, donc du coup, on va coller ces papiers
sur nos tags, tout simplement. On va les ancrer un petit peu. Bon, celui-là, ça se voit pas trop parce qu'il est déjà, foncé, donc ça sert pas. Voilà, donc, ça se voit mieux sur celui-là. Allez, hop. Voilà, on ancre. J'essaie de me dépêcher un petit peu parce qu'aujourd'hui, je prends à 11h30. Qu'à 19h, finalement le couvre-feu à 18h, on aimait bien nous finir à 18h. On avait un petit semblant de vie le soir, mais bon, quitte à être couvre-feu, c'était mieux. Hop. Mais bon, après, je compatis aussi à celles qui sont confinées. Nous encore, on a la chance de ne pas l'être. Alors, on va coller donc ces papiers sur nos petits tags. Alors voilà, les petits tags, moi je les ai fait basiques. Si vous voulez, pareil, vous pouvez faire un petit trou et mettre un petit bout de ruban, ou sans faire un petit trou, là avant de coller, vous y mettez un petit bout de ruban pour pouvoir que ça tire, pour pouvoir l'enlever pour faire une petite tirette. Et après, ben, comme je vous dis, ça va dépasser un petit peu de votre album. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa, justement, que ça dépasse un peu. Ouais, ça peut être sympa. Alors, tac. Du coup, on colle ça. On essaie de se coller droit. Voilà, on retourne. Et comme ça, j'ai mis un papier de chaque côté. La colle, elle est déjà finie, moi. J'ai entamé il y a même pas une semaine. Il va falloir que j'en rachète parce que j'en ai presque plus. Non, on a toujours peur d'être confiné, de ne plus avoir de colle, quoi. J'aime bien avoir mon petit stock maintenant au cas où, vous savez. On a été traumatisés par le manque de colle. Alors, allez. Allez. Allez, va au moins finir l'album quand même. Ce serait pas mal. Allez, voilà, donc vous voyez, nos deux tags sont faits et ils vont aller rejoindre l'intérieur des enveloppes. Tout simplement, voilà, comme ceci et comme ceci. Vous voyez, moi j'ai pas fait un truc foufou, hein, mais comme je vous dis, là après, vous pouvez laisser déborder, vous pouvez, après vous faites comme vous voulez. Donc maintenant, on va s'attaquer à la déco de l'album, ce qui me tardait de faire parce que là, on est dans du vintage. Donc du coup, ben, le vintage, voilà, moi, j'adore. Là, je pensais mettre, moi, une dentelle ici, justement, qui déborde un petit peu de mon album. Voilà, donc là, je vais réunir un petit peu des choses pour pouvoir faire mon vintage et je reviens. Alors. Et voilà, une bombe a éclaté sur mon bureau. Allez, j'ai récupéré plein de trucs. Je ne sais pas encore où je vais partir. Ça va être total, comme d'habitude, freestyle. Donc, du coup, je prends mon tampon fétiche, comme ça, qui est vieux, de chez vieux. Comme vous savez, il colle même plus à ma plaque de... à ma plaque en plexi, mais c'est pas grave, j'arrive quand même à me débrouiller.
Voilà, j'essaie de le maintenir comme je peux. Et donc, en fait, c'est juste des écritures. Donc, je vais faire déjà un fond avec ce tampon. Voilà. Donc, même si c'est pas parfait, je m'en fiche. C'est juste vraiment pour voilà, marquer quelques voyez, petites écritures, en fait, comme ceci. Voilà, dans le fond. De toute façon, après, on les verra pratiquement plus, puisque je vais y mettre pas mal de choses. Entre-temps, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle. Voilà. Voilà, tout simplement, vous voyez, je fais un petit fond comme ça, voilà, d'écriture. Sur le fond, mais comme je vous dis, après ça se verra pratiquement plus parce que ben je vais tellement y mettre de choses dessus, enfin tellement. Je sais pas encore comment ça va se terminer l'histoire, mais voilà. Donc du coup, j'ai pris déjà de la toile de jute, c'est-à-dire pourquoi faire? Alors je pense que ça, alors d'habitude ici, là je mets de la dentelle, mais comme je vous ai dit, j'aimerais mettre de la dentelle en fait sur le bord. Donc je pense que je vais prendre déjà de la toile de jute en fait pour y juste tout simplement pour y faire ma reliure ici d'album. Voilà. Enfin, pour faire ouais, la reliure, enfin le bord, quoi. Enfin, vous voyez. Je n'arrive pas à m'exprimer ce matin. Donc là, on coupe. Alors moi et la couture, hein, ça fait deux. Donc moi et le tissu, hein, c'est pareil. C'est pas une grande histoire d'amour, comme vous pouvez le savoir pour celles qui me suivent. Donc, tout simplement, j'essaye de couper, voilà, au ras comme ça. Et là, tout simplement, je vais venir le coller avec le pistolet à colle. Et voilà, je vais faire ma reliure comme ceci. Après, là, si c'est pas droit, franchement, je m'en fiche un petit peu parce que voilà, ça reste du vintage, donc je cherche pas quelque chose de net et de droit. Donc, du coup, voilà, je m'en fiche. Donc moi, je vais me servir de ça justement pour faire le bord ici. Voilà, tout simplement. Alors, on va prendre le pistolet à colle parce que là, on n'a pas le choix, sinon ça collera jamais en fait, hein, tout simplement. Donc là, je vais quand même en mettre et je vais venir mettre ma toile de jute. Voilà, ici. Donc, si vous n'avez pas de toile de jute, vous pouvez le faire avec de la dentelle ou avec autre chose. Du tissu. Après, c'est suivant comment vous l'avez fait aussi. Moi, là, je fais du vintage, mais si vous faites avec des couleurs un petit peu plus shabby ou du rose ou du vert, prenez un bout de tissu, hein, ça marche aussi. Hop, et là vous venez tout simplement, on va venir couler derrière aussi. Alors, je laisse par contre un petit espace. Je colle pas tout à fait, voyez, je laisse un espace. Alors pourquoi? Pour que justement l'album puisse s'ouvrir, tout simplement. Donc je le colle pas totalement. Donc là je coupe ce qui dépasse. Voilà. Et voilà. Vous voyez la couverture, ça donne ceci. Alors, je ne retrouve pas mon vieux livre que j'avais récupéré, mais j'ai le petit papier cadeau comme ça que j'avais gardé du calendrier de l'Avent. Ma petite Dory m'avait fait, et du coup je lui avais dit que ben, je gardais en fait parce que ben, je le trouvais sympa, et du coup voilà, je vais l'utiliser justement pour faire des fonds. Donc si vous n'avez pas ce style là, vous prenez
Des vieux livres, justement. Vous voulez vous les ancrez un petit peu et vous faites la même chose, vous déchirez et vous venez tout simplement, voilà, les couler par-ci par-là, voilà, comme ça. Donc j'en mets pas non plus des tonnes, hein, ça sert à rien de. Donc là, tout simplement, aujourd'hui, on fait la déco. Il n'y a rien de foufou, je vous explique rien, je vous fais pas un tuto ou quoi. Et puis, comme je vous dis, je ne sais pas encore comment je vais faire. Moi, je fais mes trucs, je pose, on voit. J'ai aussi du tulle comme ça. Vous savez que j'aime bien en mettre, donc je pense aussi, lui, c'est pareil. Je vais en mettre un petit peu. De toute façon, aujourd'hui, j'ai sorti la colle chaude, donc du coup, je vais pouvoir coller plus de choses. Voilà. Donc, le tulle, je vais mettre un petit bout de double face là. Je vais venir le coller par là et je vais en remettre un petit bout pour le tenir de l'autre côté. Alors le tulle, en fait, il y en a plein qui m'avaient dit oui, tu fais comme ça, etc. Mais après, vu que je colle des choses dessus, ben, mon tulle, il tient après. Vous voyez, là, je mets ça, mais après, mon tulle va tenir parce que ben mettre, vous voyez, des petites choses là pour cacher le scotch double face. Hop, je vais mettre un petit bout de washi comme ça. Toc, je vais en mettre un autre ici. Donc après, vous mettez voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez, vous prenez des petites choses et voilà quoi. Donc après, j'ai sorti aussi alors j'ai sorti ça justement pour l'essayer, vous savez. C'est ce que m'a envoyé Chantal, qu'on pouvait justement leur donner une texture. Alors, elle m'a dit qu'elle l'utilisait avec de la peinture. Et donc, justement, je voulais voir si en encrant, ça pouvait y donner quelque chose. C'était pas cela. Ouais, hop, ça, on va le mettre. Ici, voilà. Donc ça fait un petit peu comme le art journal que je vous avais expliqué la dernière fois qu'on va essayer de faire ensemble quand je vais trouver un petit peu de temps. Et donc en fait, ça fait un petit peu le même principe, hein. Vous partez. Bah, voilà, vous vous éclatez, vous faites dans les sens, enfin dans le sens que vous voulez. Et puis après, donc là, je vais mettre un petit bout de napperon. Mon napperon, il s'est déchiré. Je sais pas pourquoi il s'est déchiré. Je vais prendre qu'un petit bout qu'on va mettre ici.
Alors, vous voyez, pour l'instant, c'est que des choses de récupération. Il n'y a rien d'acheté ou... pas, non, même pas la toile de jute, on me l'avait donnée. Bon, ça, voilà. Mais vous voyez, pour faire la déco vintage, c'est pas des trucs... Donc là, il y a les timbres aussi, quand vous m'envoyez du courrier que je garde maintenant. Je vous avais dit que je pouvais utiliser justement pour le scrap. Donc du coup, là, je vais en utiliser un. Voilà, que je vais mettre juste là. Donc ensuite, en dentelle, je ne sais pas quoi mettre. Parce que j'aimerais mettre, bien sûr, la même dentelle des deux côtés. Alors, est-ce que je mets, du coup, celle-ci? Moi, je voulais mettre plus clair même. Je pense que je vais mettre plus clair et de l'autre côté, c'est pas grave, j'en mettrai une autre. Ouais, je vais mettre celle-ci devant. Donc ensuite, on va utiliser les petites découpes. Donc deux rouages. Donc, il y en a une que je vais venir caler ici. Voilà. Tomber de la colle partout, Betty. Tu abuses. Donc là, je mets l'autre rouage ici. Après, j'ai pris les petits lampadaires là qu'elle m'avait fait aussi. Alors, je sais pas si j'en mets un ou pas. Alors, je vais le mettre par là. En fait, ouais, je réfléchis pas trop quand je fais ça. Moi, je pose, ça me plaît, je mets, et puis voilà quoi. Après, autant il y a des fois où je me pose beaucoup de questions pour les décos, etc. Le vintage, je m'en pose pas. Voilà, je mets. Si ça me va, je colle et un point, c'est tout. Je cherche pas à comprendre si.
enfin, pendant 2 heures, où il y a des fois où je pourrais faire ça justement pendant 2 heures à dire est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que voilà. Bon, là, je cherche pas du tout à comprendre le pourquoi du comment. Donc là, je vais essayer de trouver une petite image, une petite photo ou un petit truc à mettre dedans. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui irait là? Bon, ça, peut-être pas. Ça, c'est des petits trucs que je vous avais dit, j'avais acheté à AliExpress il y a un petit moment d'ailleurs. Ça, c'est que du noir et blanc, je crois. Et ça, c'est des genres de timbres. Donc ça ira pas. Il m'aurait fallu une photo un peu plus carrée. Là, c'est plus des écritures, des petites choses comme ça. Que d'ailleurs, je vais en mettre une. Mais c'est cartonné, c'est vrai. Je me rappelais plus. Je croyais que c'était. Non, je vais pas en mettre. Vous voyez, après, quand c'est trop, après, c'est trop. On va peut-être pas abuser non plus. Hein. On va pas. Donc, il faut juste que je trouve. Image que je vais trouver hein, bien sûr. Là, il y a les choses que j'avais achetées à Amélie et alors, déjà, je vais essayer de voir pour mettre ça sinon sinon en image puisqu'elle m'avait envoyé elle m'avait envoyé. Je lui avais acheté, vous savez, les petits. Il lui restait des petites choses comme ça, vintage. Donc, je peux peut-être trouver une petite photo ou un petit machin. Vous voyez, comme ça. Hop! Alors. Alors j'ai trouvé ça là, ce vieux téléphone. Alors est-ce que je mets ça dedans? Non. Donc ça, non. Pour l'instant, je pense que je vais utiliser justement ceci. Donc là, je vais retailler. Hop. On va le mettre comme ça. Allez, c'est parti. Et là, je vais bientôt avoir fini. Vous voyez, il y a quand même une demi-heure. Hein. Donc, j'avais bien fait de faire le truc en deux parties. Bon, après, là, comme je vous dis, c'est plus la déco. Après l'intérieur, moi, vous savez que je le décore pas, puisque après, ça se décore forcément, enfin, le plus souvent avec avec les photos. Hein. Donc du coup, moi, je vais pas décorer forcément l'intérieur. Voilà. Là, on va venir coller notre petit ruban juste là. Donc, je vais mettre. Donc là, je mets pas de double face puisque j'ai ma colle chaude qui est sortie. Mais après, vous pouvez mettre du double face sans problème. Voilà. Je vais laisser tranquillement séché. Et
de l'autre côté, je vais mettre, parce que là j'en ai pas assez, on va mettre celui-ci. Voilà. Tac. J'ai un bordel sur mon bureau, c'est phénoménal. Ça faisait longtemps. Non, ça fait pas. Ça fait pas si longtemps que ça, mais je veux dire, ça fait longtemps que j'avais pas mis quand même un Bronx pareil. Donc du coup, le petit téléphone, on va le mettre derrière. Voilà. Et du coup, je sais pas si je mettrai pas quelque chose par là, mais quoi, du coup. Je crois que j'ai des rouages là. J'ai mon ventre qui garde. Putain. C'est pas l'heure de manger. Argenté par rapport à au vintage. Il me semblait que j'en avais eu dans mon calendrier d'avant. Mais j'ai pas très bien. Vous vous rappelez ou pas, vous, si j'en avais eu ou pas? Une chose dans les calendriers d'avant aussi que je me rappelle non plus ce que j'ai eu ou pas. Non, après ça fait trop de bois. Dommage. Je vais laisser comme ça, je pense. Après trop de tulle. Voilà, donc mon album pour moi est terminé du coup. Voilà, je vais mettre ça. J'en ai fait une encore. Non, mais vous allez me dire que... Je sais pas où ils sont passés. Bon, c'est pas grave, j'en aurai plus tard. Donc, du coup, voilà. Mon album est terminé. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est relativement simple. Après, là, c'était long. Parce que, ben voilà, il y avait beaucoup de découpes à faire. On a fait quand même des pochettes, on a fait des tags. En sachant que, voilà, c'est pas, j'ai pas fait des tags foufou, j'ai pas fait non plus un truc avec. Voilà, on aurait pu faire beaucoup plus de pages, on aurait pu faire beaucoup plus de choses à l'intérieur. Mais bon, déjà, il est pas mal. Au niveau. Vous voyez qu'on a mis que. 4 enveloppes, mais après vous pouvez franchement vous pourrez en mettre beaucoup plus et donc faire un album qui sera plus épais. Mais déjà là vous avez de quoi mettre pas mal de photos, en sachant qu'en plus les pages elles sont super grandes dans ce style là mais vous pouvez faire exactement la même chose avec des petites enveloppes carrées ou avec des grandes enveloppes comme ça si vous avez, ou des enveloppes craft aussi, hein. Vous pouvez aussi faire la même chose avec des enveloppes craft. Et après au niveau des tags, j'en ai mis un, mais là on a la place largement d'en mettre aussi deux, franchement large. Voilà, donc voilà pour ce tuto d'album. Vous voyez, il est quand même, par rapport à mes mains, il est grand. Moi j'aime bien, ça change un petit peu.
Et puis, c'est des choses qui sont relativement simples et à la portée de tout le monde à faire. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tuto d'album vous aura plu, qui vous donnera aussi des idées. Moi, je l'ai fait sur le thème vintage, mais n'hésitez pas à le faire avec d'autres couleurs, d'autres papiers. Hein, ça marchera aussi bien. Parce que là, j'avais envie de faire un petit peu de vintage. Ça fait, voilà, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et ça me démangeait un petit peu. Voilà. Sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Allez, bisous, bisous.